Berlin, c'est un grand thème. Alors ce soir, je vais vous parler d'un thème très actuel. Alors, vous étiez là quand il y avait le lion de Berlin ? Le lion ? Vous l'avez vu, le lion ? La lionne. Ah, une connerie. La lionne, mais pour ma chanson, ça va être le lion, parce que voilà, c'est là. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas très inclusif. Mais... Avez-vous vu le lion ? Moi, j'étais pas à Berlin, mais oui, vous avez le droit de faire des... Alors, sur le refrain, vous avez le droit de participer, et vous avez le droit de faire des bruitages aussi. Ok ? Alors, je sais pas si quelqu'un connaît Le Matou revient de Steve Waring, c'est un peu dans la même idée. Voilà. Alors, attention. Avez-vous vu le lion ? Oh, mais non, mais j'ai un guest, j'ai une guest star. Mais alors, s'il te plaît, John Collins. Alors, John Collins, qui est un auteur-compositeur camerounais avec qui on a fait le cabaret chanson la dernière fois et qui va faire la deuxième voix parce qu'il est tellement doué. Je connais pas la chanson. Je lui ai expliqué. Il est tellement respectueux. Ouais, ok. Ouais, ouais, mais c'est pas grave parce que c'est... Attention, on va y arriver tous ensemble. Alors, lui, il connaît pas la chanson. Moi, c'est une nouvelle chanson pour moi, mais on a tous entendu parler de la lionne de Berlin. Ok ? Alors, la question. Avez-vous vu le lion ? 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 Quelqu'un l'aurait vu cette nuit, un voisin aurait été surpris. Une ombre se faufile en catimini. La nuit, tous les chats sont gris. La police est en alerte, des hélicoptères tournent au-dessus des têtes, armés de fusils et de baïonnettes. La ville s'affole, grésille et s'enquête. Dans le bus de l'après-midi, des lignes contrites se referment. Pas question de changer de vie, mais moi je courrai jusqu'à la ferme. Avez-vous vu le lion ? Avez-vous vu le lion ? Avez-vous vu le lion ? Quelqu'un l'aurait vu cette nuit, un voisin aurait été surpris. Une ombre s'affaiblit en catimini. La nuit, tous les chats sont gris. On compte les animaux exotiques, des zoos, des cirques et des excentriques. Pas un lion ne manque à l'appel, même pas celui du cartel. Voilà qu'un chef de clan propose d'aller capturer le félin avant que dans un état de psychose, un fou digouille le badin. Avez-vous vu le lion ? Vous pouvez chanter. Avez-vous vu le lion ? Avez-vous vu le lion ? Oh, oh, oh. Avez-vous vu le lion ? Quelqu'un l'aurait vu cette nuit, un voisin aurait été surpris. Une ombre se faufile en catimini. La nuit, sous les chats sont gris. Chacun voit quelque chose dans son esprit. J'ai bien vu le lion trois fois aujourd'hui. Les chimères grossissent comme les souris. Serait-ce opération de Saint-Esprit ? Certains voient un ovni, d'autres Jésus-Christ, mais il n'y a pas d'ophtalmos au paradis. Avez-vous vu le lion ? Trop fort. Avez-vous vu le lion ? Avez-vous vu le lion ? Avez-vous vu le lion ? Quelqu'un l'aurait vu cette nuit, un voisin aurait été surpris. Une ombre se faufile en catimini. La nuit, tous les chats sont gris. Dans le but d'attraper la bête, la peau bien tendre, grassouillette, mais pas une trace à 2 kilomètres. La politique s'impatiente, où donc a pu passer le lion ? Les télés bousculent, la ville hante. On pose la question : avez-vous vu le lion ? Avez-vous vu le lion ? La route c'est long, où un lion devait venir jusqu'ici.
Surtout rester bien enfermé. Est-ce bien un lion? Le doute nous a pris. Il pourrait bien vous attaquer. Finalement, ton information, c'est bien normal de ne pas le trouver. Ce qu'on a vu n'est pas un lion. Mais un sanglier. Avez-vous vu le lion? Avez-vous vu le lion? Avez-vous vu le lion?